Bonjour, voilà, je suis supposé vous avoir envoyé déjà un texte. Je pensais que ça serait certainement plus stimulant que je vous envoie ce petit vidéo où je lis mon texte. Il s'agit d'un texte qui s'intitule Dimension historique de la psychanalyse. Alors voilà, Freud découvrit l'instinct de vie et l'instinct de mort après la Première Guerre mondiale et créa sa deuxième topique. J'ai été fasciné par cette phrase durant une vingtaine d'années. Elle m'a poussé à faire d'innombrables recherches et à me poser une multitude de questions. Je notais ces questions dans un carnet qui ne me quittait jamais. Un jour, j'étais dans un autobus qui me menait en pèlerinage au monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï. J'avais pris des notes toute la nuit, mais à l'arrivée, au petit matin, j'ai malencontreusement oublié mon cahier dans l'autobus. L'autobus est parti rapidement. Pour retrouver mon cahier, j'ai remué ciel et terre. Ce n'est pas un vain mot quand on sait que le ciel et la terre sont très proches à cet endroit. Durant ce même voyage, j'ai rencontré un moine dans un autre monastère au bord de la mer Rouge, à Raïssou plus exactement, avec qui j'ai longuement conversé. Je lui ai demandé ce qu'était, à son avis, la Sainte Trinité. Il m'a alors expliqué que le Père était comme le Soleil, le Fils comme le rayon du Soleil, et enfin le Saint-Esprit comme la chaleur du Soleil. Puis nous avons été nous baigner dans la mer Rouge sous le soleil de l'après-midi, qui, vous vous en doutez, est particulièrement sévère. Lui en soutane et moi en maillot. Le soir même, j'étais pris d'une fièvre qui a duré 3 jours, probablement due à l'insolation. Il n'y avait plus de doute, après avoir perdu mon cahier de notes, je fus frappé par le Saint-Esprit. C'est ainsi que, à mon retour au Canada, sans mon cahier de notes, j'ai décidé de commencer un séminaire sur la psychanalyse et l'histoire qui dure encore. Ce séminaire a consisté essentiellement à essayer de me remémorer ce que j'avais écrit dans ce cahier ou ce que j'aurais pu y écrire. Les recherches du séminaire Psychanalyse et Histoire ont produit des dizaines de pages de textes que nous allons essayer de publier à un moment donné. Je vais essayer de vous résumer les résultats de ces recherches aussi brièvement que je peux. Du fait qu'il s'agissait de Freud et de la Première Guerre mondiale, il était naturel que nous commencions nos recherches au début du XXe siècle. Avant la guerre 14-18, il y avait un certain nombre d'empereurs en Europe. L'empereur de l'Empire colonial britannique, l'empereur d'Allemagne, l'empereur d'Autriche-Hongrie, l'empereur de Russie et enfin l'empereur ottoman. Après la guerre, il ne restait plus qu'un seul empereur au pouvoir, le roi d'Angleterre. Toutes les autres couronnes avaient roulé par terre, emportées par des révolutions nationalistes ou socialistes. Nous pouvons sans difficulté considérer qu'il s'agit de meurtre du père collectif et spontané. Deuxième point, deuxième caractéristique de cette période, en même temps que la chute des empereurs est survenu quelque chose de très original à ce moment et qui n'a jamais été remarqué. La notion de plus-value qui avait été élaborée par Marx avait été diffusée dans tout l'Occident à travers le développement des forces socialistes et était donc tout à fait
connue presque universellement. Le fait remarquable est que cette notion a été simultanément niée par les camps les plus opposés. D'abord par Henry Ford et le Fordisme, qui, au lieu de payer ses ouvriers moins qu'ils ne méritent, a décidé de les payer plus qu'ils ne le méritent, inaugurant ainsi une notion que personne n'a théorisée, la moins-value. La plus-value a également été niée par les communistes, aux antipodes supposément du capitalisme. Ils ont inauguré ainsi une économie où chacun était payé selon son travail, en attendant d'être payé selon ses besoins. Dans les deux cas, chez ceux qui deviendront les deux frères ennemis pendant plusieurs décennies, les capitalistes et les socialistes, une décision est prise de ne plus payer les ouvriers moins que ce qu'ils méritent. Il faut au contraire les payer autant que ce qu'ils méritent, voire plus, ou alors les payer selon leurs besoins, en se réservant la possibilité de manipuler ces besoins et de les faire croître au rythme des innovations. Troisième point, une société fraternelle. Simultanément, durant cette même période, les collectivités sont devenues fraternelles et nationalistes. Les deux qualificatifs sont pratiquement équivalents. Je vais commencer par vous montrer en quel sens les collectivités sont devenues fraternelles et vous verrez que c'est exactement la définition qu'on donne au mot nationaliste. Mais qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis que les sociétés ou les collectivités sont devenues fraternelles? Ça veut dire en premier lieu qu'il n'y a plus de père et qu'il n'y a plus de complexe d'Édipe. Cette opinion apparaît de prime abord comme complètement invraisemblable. Comment puis-je dire qu'il n'y a plus eu de père à partir de ce moment, alors que le XXe siècle va pulluler de figures autoritaires, quelquefois extrêmement cruelles? Il faut vraiment que j'aie perdu le sens des réalités pour dire une chose pareille aussi évidemment fausse. Et pourtant, malgré l'évidence, je persiste à dire, comme dit la chanson de Sacha Distel, que ses pères ne sont pas des pères et que ses pères ne le savent pas. Les pères d'avant la Grande Guerre étaient des étrangers. Les dynasties impériales étaient internationales et se mariaient entre elles, tout en n'entretenant aucun rapport familial avec la société civile. S'il était interdit à un prince ou à un roi d'épouser une roturière, fût-elle américaine, ce n'était pas par snobisme, mais parce que le modèle de gouvernement royal ou impérial exigeait qu'il y ait une différence sexuelle radicale entre la famille royale et la société civile. Dans le mode de pensée de cette époque, transgresser cette règle équivalait à un inceste. Ce n'est qu'après la Grande Guerre qu'on a modifié la formule et qu'à l'inverse, on a décidé que le gouvernement devait être de même nature que les gouvernés. Il y a à ce sujet une histoire cocasse qui s'est passée en Albanie. Comme dans ce pays, il n'y a que des musulmans et des orthodoxes, lors d'un changement de régime, on avait fait venir de l'étranger un prince catholique ou protestant, je ne m'en rappelle plus, pour gouverner le pays. Tout s'est bien passé dans un premier temps, mais lorsque l'esprit du temps a changé et que la pression a commencé à se faire vers une similitude entre gouvernant et gouverné, on a commencé à exiger de ce prince, non pas qu'il devienne musulman, c'eût été trop demandé, mais qu'au moins il se fasse circoncire.
après beaucoup de tergiversations qui nous sont décrites par Ismail Kadaré avec beaucoup d'humour, le roi a préféré renoncer au trône plutôt que de perdre l'intégrité de son organe. Ce qui signifie dans notre langage à nous que l'identification entre les gouvernés et le gouvernant n'existe pas de façon permanente. Il y a des moments où cette identification est absente. Pour que l'identification puisse s'instaurer, il faut qu'un meurtre du père ait lieu. Le successeur du père, qui est en fait un frère, peut alors faire l'objet d'une identification. La démocratie est un des modèles sans père qui est fondé sur l'identification au frère au pouvoir. Quatrième caractéristique, l'épuration ethnique. La similitude entre gouvernant et gouverné ne suffit pas. Il faut qu'elle se double d'une similitude entre les gouvernés eux-mêmes. Jusque-là, régnait la différence. Les diverses communautés pouvaient coexister et partager le même espace sans que ça ne pose le moindre problème, parce que la différence était un phénomène naturel, entre guillemets. Tout était différentiel, comme dans la linguistique de Saussure. Puis, la différence est devenue scandaleuse. Il fallait impérativement la remplacer par l'égalité et l'identité. La population d'un même territoire devait impérativement être homogène. La fraternité exigeant l'homogénéité est devenue sourcilleuse, en commençant par l'affaire Dreyfus, pour finir par le problème des nationalités. Il a fallu complètement modifier le mode du vivre ensemble. Les structures différentielles ne fonctionnaient plus pour maintenir la cohésion collective. Seule l'homogénéité permettait d'assurer la survie collective. On s'est mis alors à inventer des critères de sélection pour garder ceux qui méritaient de rester et expulser ceux qui devaient s'en aller. Lorsque les frontières ne réussissaient pas à mettre ensemble les gens de la même sorte, il fallait procéder à des nettoyages ethniques. Le premier à avoir fait un nettoyage ethnique qui a servi de modèle à tous les autres, ce fut Kemal Atatürk, qui massacra les Arméniens pour veiller à la pureté ethnique de la Turquie. Le pays qui, comme l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, avait déjà une unité fragile, ont mal supporté le changement du mode de vivre ensemble. Je reprends. Les pays qui, comme l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, avaient déjà qui, comme l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, avaient déjà une unité fragile, ont mal supporté le changement du mode de vivre ensemble et ont dû adopter un mode sévère et violent de cohésion interne connu par le nom de fascisme ou de nazisme. Expulser ceux qui étaient différents ne suffisait pas, il fallait sérieusement ceinturer le pays pour l'empêcher de partir en morceaux. Cinquième caractéristique de cette période, vivre par le risque de la mort. Avec la guerre 14-18, le rapport à la mort a complètement changé. Jusque-là, les guerres étaient une affaire de professionnels dont la tâche était de se battre pour protéger les civils. Lorsqu'un des protagonistes l'avait manifestement emporté, on n'insistait pas. La vie des soldats avait quelque chose de précieux qu'il ne fallait pas gaspiller. La Première Guerre mondiale a modifié le rapport à la mort. Ce fut la première guerre totale.
la première guerre ou perdre la guerre équivalait à mourir collectivement. Il était désormais impossible de la perdre. Vu l'enthousiasme que tout le monde a mis à entreprendre cette guerre, on a l'impression qu'il était tout aussi impossible de ne pas la faire. Entre ces deux impossibles, de ne pas la faire et de la perdre, le résultat en a été ce face-à-face dans les tranchées qui a duré plusieurs années. Dans cette première guerre horrible, il y a eu des moments de fraternisation enthousiaste, si bien qu'on pourrait dire que cette guerre fut la première apparition de l'énamoration. On pourrait même penser que la guerre est presque devenue un mode de vie. L'hostilité de l'ennemi fait partie d'une économie de la survie. L'hostilité de l'ennemi est un adjuvant qui permet de surmonter la dépression qui suit la mort du père. La guerre dure des années parce qu'elle est utile. Elle permet de survivre. À présent, nous allons observer ce qui s'est passé au niveau de la psychanalyse, au niveau des recherches en psychanalyse. La première couche de ma fresque est terminée. C'est la couche historique dans laquelle j'ai repéré les éléments essentiels de la mutation qui a eu lieu durant la première moitié du XXe siècle et dont nous vivons encore aujourd'hui les conséquences. Je vais à présent aborder la deuxième couche, celle de la théorie psychanalytique. Je vais essayer de montrer comment la psychanalyse a vécu cette période de mutation et comment elle a reflété cette mutation dans le cadre de ses découvertes. Mais on pourrait inversement se demander, en écartant toute modestie, si la psychanalyse en tant que science n'a pas eu elle-même un impact sur le cours du siècle. Tels sont au fond le type de questions qu'on pourrait se poser dans le cours de la présentation de la deuxième couche, théorique cette fois, de notre fresque. Premier point, le complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe a été élaboré lentement par Freud à partir de son auto-analyse. C'est en 1910 qu'il a pris le nom de complexe d'Œdipe. On pourrait aisément supposer que si Freud a élaboré le concept à partir de sa propre histoire, il se pourrait fort bien qu'il ait été aussi influencé par la crise de la société occidentale et plus spécialement européenne. Il y avait alors un mouvement général qui allait dans le sens d'une mise en danger du rôle du père. Une façon de dire qu'être père n'était pas un rôle nécessairement garanti et que ce rôle pouvait être contesté et menacé. L'idée que la République pouvait avoir quelque chose de préférable à la royauté signifiait que le rôle du père avait à se mériter et n'était pas un arbitraire absolu. La scène durant laquelle Freud voit le chapeau de son père rouler par terre n'est pas seulement un événement historique dans la vie de Freud, mais un événement historique dans le cours de la société occidentale. Les chapeaux de tous les pères d'Europe sont aussi tombés en même temps que les couronnes des empereurs. Deuxième point, totem et tabou, la horde primitive. Tout tendait aussi à ce moment vers l'élimination du statut d'empereur. Rappelez-vous du texte de Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Ce qui est contesté ici dans le statut d'empereur est sa capacité de régner sur plusieurs peuples à la fois. Ce qui dérange Lénine, c'est l'association qu'il voit entre l'impérialisme et le colonialisme. Un empereur, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il lui faut sans cesse plus de terres à coloniser. L'empereur souffre d'une polygamie chronique inhérente à sa fonction. Même si Lénine n'est pas forcément favorable au nationalisme, il n'y est pas opposé non plus.
Lorsqu'il prendra le pouvoir, il accordera l'indépendance aux États nationalistes qui le demanderont, au moins tant que la sécurité de l'URSS n'était pas menacée. La monogamie nationaliste lui paraissait un peu plus acceptable que la polygamie impériale. Durant la même période, 1912, Freud va compléter son élaboration du complexe d'Édipe avec totem et tabou. Comme l'empereur qui règne sur plusieurs peuples, le père de la horde dispose de toutes les femmes et c'en est vraiment intolérable. Il faut que ce pouvoir soit contesté et remplacé par le pouvoir négocié cette fois de la loi. La relation pourtant archi-évidente entre les empereurs et le père de la horde n'a curieusement été aperçue par personne. Nous verrons dans la suite combien ce lien est performant. Troisième point, pour introduire le narcissisme. Avec la disparition des empereurs, avec la mort du père, les différences n'ont plus été au fondement du lien social. C'est désormais la similarité qui est au fondement du lien social. Les gens se regroupent pour constituer des nationalités en excluant ceux qui ne sont pas des leurs. Le père de la horde primitive étant tué, les fils vont s'égaliser entre eux. Il y aura un lien de similarité entre eux. Dans les relations humaines, il faudra absolument introduire l'égalité et autant que possible effacer tout signe de différence. Il devient urgent de construire un lien stable avec soi-même qui viendra obstruer les différences dans les rapports avec autrui. Le narcissisme devient le joker qui va désormais uniformiser les relations avec tout le monde. La notion de narcissisme va se développer très rapidement en raison des circonstances historiques. Ce n'est dès lors pas étonnant que Freud l'ait découverte à ce moment. Elle était à la surface des choses, comme un code génétique qui se serait exprimé après avoir longtemps été endormi. Je vous rappelle que le texte pour introduire le narcissisme date de 1914. Quatrième point. Psychologie collective et analyse du moi. Les structures collectives ne sont plus gouvernées par la différence, celle qu'il pouvait y avoir entre le père de la horde et ses fils, celle entre l'empereur et ses sujets, celle entre les hommes et les femmes. C'est la similarité et l'égalité qui va désormais structurer les collectivités. Le mode de gouvernement par la démocratie va devenir le mode de gouvernement privilégié. Le texte de Freud, Psychologie collective et analyse du moi, décrit le nouveau modèle qui vient de naître et de s'introduire à la vie politique. L'identification de chacun au chef et par voie de conséquence, l'identification réciproque de chacun à chacun. Ce texte donne l'impression que Freud est en train d'enfoncer une porte ouverte. Quoi de plus naturel que cette identification au chef? Est-il besoin de rédiger un tel ouvrage pour le démontrer? En fait, du temps de Freud, l'identification au chef est une innovation. Le modèle est d'apparition récente. Le roi et l'empereur ne pouvaient pas auparavant inspirer l'identification. De droit divin, ils y étaient inaccessibles. Par ailleurs, en y regardant bien, on peut néanmoins constater que c'est la reproduction de la très vieille formule chrétienne « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », qui, en son temps, avait subverti sur le plan religieux la formule juive de Yahvé. Depuis les premiers temps de l'ère chrétienne où elle était cantonnée au plan religieux jusqu'à atteindre le plan politique à l'ère moderne, la formule a mis beaucoup de temps pour se déployer pleinement.
On peut dire que la démocratie est l'accomplissement de la formule christique, ce qui expliquerait le prosélytisme quelquefois débordant dont elle fait l'objet. Cinquième point, au-delà du principe de plaisir. Le passage de Freud de la première topique à la deuxième topique est généralement considéré comme une sorte de correction d'un point de vue qui auparavant peinait à tenir compte de certains phénomènes, comme les traumas, le masochisme ou les réactions thérapeutiques négatives. Dans la suite de la description que l'on vient de faire, il y aurait tout lieu de penser que Freud, en modifiant sa topique, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'a fait que s'adapter à une nouvelle situation historique. On pourrait dire que c'est le monde autour de lui qui a changé de topique et qu'il n'a fait que s'adapter à la nouvelle situation historique. C'est le principe de plaisir qui fait la différence entre une topique et l'autre. Dans la deuxième topique, celui-ci semble ne pas fonctionner adéquatement. Or, justement, qu'est-ce que le principe de plaisir ? Sinon la possibilité de remettre une satisfaction à plus tard. Encore faut-il qu'elle soit suffisamment interdite pour qu'on soit en mesure de la remettre. Lorsque le rôle du père est éliminé par les événements, l'interdit qui soutient le principe de plaisir disparaît avec lui. Avec le père disparaissent également le plus de jouir et la plus-value, comme nous l'avons vu précédemment. Ces limites du plaisir et de la rémunération n'ont plus lieu d'être puisque le gardien de ces limites n'a plus d'existence. Ce moment particulier où le plaisir et la rémunération ne rencontrent plus leurs limites naturelles est justement le premier trauma. Il est ce moment exceptionnel où le plaisir est sans limite et la rémunération au-delà de l'effort. Sixième point, le stade du miroir. La logique qui prévaut après la mort du père est une logique fraternelle, une logique de la ressemblance. Elle implique la mise en paquet de ceux qui se ressemblent et d'exclure ceux qui dissemblent. C'est typiquement l'esprit du nationalisme qui a prévalu au lendemain de la guerre 14-18 à la conférence de Versailles. Freud a été à l'écoute de tous les aspects de son époque, excepté celui-ci. Il est resté un fidèle sujet de l'empereur et a très bien compris qu'en tant que juif, il aurait une meilleure protection entre les mains de l'empereur que sous la tutelle nationaliste. Je n'en veux pour preuve que la fameuse lettre dans laquelle il se récuse aimablement d'une invitation à soutenir le mouvement sioniste. Les événements vont malheureusement lui donner abondamment raison. C'est Lacan qui comprendra le premier ce que Freud n'a pas voulu comprendre. En introduisant en 1936 le stade du miroir à la suite de Henri Vallon. Lacan va jusqu'au bout du processus logique ou psychologique amorcé par le renversement des empereurs. On a vu précédemment que la structure des collectivités s'est totalement transformée au tournant du siècle. Au lieu d'être fondée sur les différences, celle-ci est désormais fondée sur la similarité. Il faut à présent mettre ensemble les éléments de même nature et du fait même exclure le dissemblable. Il faut également instaurer entre eux une égalité formelle et pour finir clore sur lui-même l'ensemble ainsi constitué. Ce processus de sélection logique et de structuration collective qui a pris la forme de ce qui s'est appelé le nationalisme a eu en Europe de l'Ouest un caractère bon enfant dans les années 20, alors qu'en Europe de l'Est, en particulier en Turquie, il avait déjà provoqué son premier génocide. Ce n'est que dans les années 30 qu'il a pris le même caractère féroce en Europe de l'Ouest. À la sélection s'est ajoutée
la fermeture et par suite le génocide. Mais quel rapport, me direz-vous, cela peut-il avoir avec Lacan et le stade du miroir? C'est que le stade du miroir accomplit sur les parties du corps ce qui s'accomplit au même moment sur les collectivités. Le corps était, nous dit Freud, un pervers polymorphe, c'est-à-dire que chaque partie du corps avait sa spécificité irréductible. Avec le stade du miroir, toutes les différences qui caractérisent le corps disparaissent. Le corps devient une surface uniformément visible où chaque partie est équivalente à toutes les autres. On pourrait parler d'une sorte de pixelisation du corps. Et pour bien marquer que cet ensemble, en dépit de son absence de différence, n'en conserve pas moins une cohésion, il faut clore cet ensemble et en faire une totalité indivise qu'est l'image au miroir. Le regard bienveillant impliqué dans l'image scopique peut cependant se transformer très rapidement en regard paranoïaque cruel. Le virage est très rapide parce que la structure pyramidale totalitaire du stade du miroir se prête énormément à ce genre de dérive. La démocratie des parties du corps détermine la possibilité du regard paranoïaque qui est supposé tout voir, puisque toutes les parties du corps doivent être impliquées. La parenté entre la démocratie, la paranoïa et le stade du miroir nous est confirmée par la prévalence de la paranoïa durant cette période de l'histoire, prévalence qui se manifeste par la fréquence des régimes totalitaires durant ces 2 décennies. L'intégrisme juif et l'intégrisme islamique sont une poursuite de cette période de l'histoire. Ils sont nés à ce moment et conservent toutes les caractéristiques paranoïdes de cette période historique. Excepté que ce n'est plus la langue ou l'ethnie qui sert de critère de sélection, mais une religion monothéiste de façon plus générale. Rétrospectivement, à la lumière de ces 2 nationalismes religieux, l'Occident apparaît à nouveau comme chrétien, alors qu'il a pu pendant longtemps apparaître comme laïque. Ceci transparaît de façon manifeste lorsqu'il refuse l'entrée de la Turquie musulmane dans le sein de l'Europe. Pour conclure, je dirais que la pixelisation de l'image de soi, individuelle ou collective, entraîne comme par nécessité la paranoïa. Il n'est donc pas étonnant que Lacan ait travaillé simultanément durant les années 30 sur la paranoïa et le stade du miroir. Si l'on voudrait résumer à l'extrême l'évolution logique de cette période, on pourrait dire que, à la mort du père, la notion de totalité homogène et close sur elle-même a progressivement envahi des champs de plus en plus variés de la réalité et du savoir. Pour ce qui concerne la psychanalyse, elle a déterminé, dans le champ de la parole, la technique des associations libres, tout dire et tout entendre, et dans le champ de l'image, le stade du miroir, tout voir et tout montrer. Reste à déterminer quand cet équilibre instable tourne à la paranoïa et comment éviter que cela se produise de façon trop régulière. Voilà. Merci. Au revoir.